Mais regarde-moi cette merguez. Oh là là là. Regarde-moi ça. Quel travail. Oh là, quelle merguez, mais quelle merguez. Elle est pas belle, ma merguez. Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo de présentation de mon cinquième Solex. Mon Solex 3800 laboratoire. Il s'agit de mon cinquième Solex de ma flotte. Alors, c'est parti pour la présentation. On y va. À la base, il n'y avait pas de Solex. Je suis parti de zéro, mais pas de rien. C'est un cumul de pièces du fameux modèle Solex 3800. J'avais besoin d'un Solex pour essayer des pièces, essayer des montages ou essayer des moteurs, que ce soit réfectionné ou reconditionné. Ce que vous voyez est un Solex 3800 reconstitué. En revanche, le moteur, il ne faut pas tenir en compte puisque ce n'est jamais le même moteur sur ce cadre. Puisque déjà dans le passé, ce Solex a déjà été équipé du moteur de mon classique noir de 1971 et aussi du moteur de mon 3800 MBK suite à sa deuxième restauration. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook et ou Instagram, ont pu voir les différents montages avec les garde-boue et différents moteurs. Sinon, je vous mets les liens des photos dans la description sous les vidéos et en commentaire épinglé. La plupart des éléments de cadre sont la réutilisation de pièces d'époque et d'autres pièces issues du projet avorté de Solex électrique de compétition. Et je veux aussi attirer votre attention sur les quelques pièces en découpage laser. En l'occurrence, le repose-pied, la monotringle de garde-boue qui permet aussi de fixer les plaques numérotées et les doubles entretoises de selle qui permet de reculer la selle légèrement en arrière. Mais aussi le pot d'échappement qui est en fait un pot d'échappement de base Solex 2200 qui est légèrement modifié avec un tube de fuite beaucoup plus gros. Alors pour finaliser la reconstitution de ce Solex, j'ai dû acheter quelques pièces en complément. Alors en occasion, j'ai acheté deux colliers de bavette, un garde-boue sur roue avant, un système de pédalier qui est juste là, et aussi bien sûr des pédales, et la fameuse boîte à outils qui est juste ici. Alors en pièce neuve, ce que j'ai acheté, donc des leviers de frein cyclomoteur, donc qui sont juste là, en complément des leviers de frein type origine, origine stock d'époque. L'avantage de ces leviers de frein, c'est qu'il y a un régleur de tension pour mieux régler la tension et le freinage, pour avoir un freinage plus fin. Des gaines, des câbles de frein, des freins à patins, tout ça chez Decathlon. Alors j'ai acheté aussi une roue avant pour compléter ce Solex, puisque j'avais déjà la roue arrière du projet avorté de Solex électrique de compétition. J'ai acheté aussi un feu arrière de cyclomoteur qui est juste ici, donc c'est pas un feu arrière de vélo mais bien un feu arrière type cyclomoteur, voilà, pour ne pas être dépendant du garde-boue. Donc j'ai fixé sur le porte-bagages qui fonctionne avec le feu avant type origine, une sonnette de vélo orange chez Decathlon, un feu avant additionnel sur batterie rechargeable par port USB et un feu arrière de vélo qui est juste ici, qui est sur pile LR03. Les coloris, c'est du thermolaquage en RAL. En RAL 9005 mat, en RAL 2010 mat, en RAL 7004 mat et en RAL 1003 mat. Ce sont mes couleurs officielles Lord Authentic Racing. Il peut être bien sûr utilisé pour la compétition car il est conforme au règlement national UFOLEP 50 à galets. Je vous mets un lien de ce règlement dans la description sous la vidéo. Il y a bien sûr l'assurance et l'immatriculation. Bon, maintenant que je vous ai fait le détail de ce Solex, on va faire le tour pour vous montrer les petits détails. Donc voilà, je vais faire le tour avec vous de mon Solex. Donc je vais vous montrer globalement ce Solex. On va commencer par l'avant. Donc voilà, un moteur de 3100, ce qui est plus basique. Faut pas tenir en compte puisque je change tout le temps de moteur. Mais aussi, voilà, donc on peut mettre deux types de moteurs, soit à décompression par câble, qui est ici. Voilà, donc je le décompresse avec cette poignée
d'origine. Normalement, c'est un frein, mais je l'ai modifié en décompresseur. Voilà. Donc, quand on appuie un peu, ça décélère, et quand on appuie à fond, ça décompresse. Ou soit décompression par tirette. Voilà. Donc, on peut mettre les moteurs à décompression par tirette, puisque j'ai aussi la manette. Voilà. Donc, ça permet de tester différents moteurs. Pour ce moteur, donc, comme il n'y a pas de poignée de relevage, donc je peux aussi l'attacher par un petit câble que j'accroche au-dessus, ou soit avec des moteurs avec poignée de relevage, ou je peux mettre le crochet. Voilà, donc il y a déjà le crochet pour attacher la poignée de relevage. Alors au niveau des commandes, hein, donc voilà, donc vous retrouvez les poignées cyclo qui sont là, voilà, donc avec régleur de tension pour mieux régler les freins, notamment à l'arrière, puisque le frein arrière de 3800, c'est une calamité pour régler. Comme sur mon Solex de compétition, même principe, voilà. Donc vous avez une sonnette, voilà, Decathlon Mitwin, un poussoir coupe-circuit, voilà, pour couper l'allumage, comme sur mes Solex de compétition. Vous retrouvez aussi un support de caméra, voilà, ce qui me permet de filmer en caméra embarquée depuis le Solex. Un feu de vélo, voilà, rechargeable USB, comme je le disais, voilà, qui est juste là, en complément de ce feu-là. Voilà, donc on retrouve la manette de compression, comme je disais. Voilà, donc c'est pas une poignée tournante, mais c'est bien une poignée fixe, voilà. Donc là aussi, vous avez une autre poignée, bon, elle est un peu bizarre, parce que le guidon, c'est aussi de la récup. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces de récup. C'est pour ça qu'elle est comme ça, parce que le trou, j'ai pas refait un trou. Le trou était comme ça, donc j'ai dû mettre la poignée comme ça. Elle n'est pas exploitée, je l'ai mis pour juste boucher le trou, mais je peux m'en servir comme système de sirette. Donc le système de sirette, c'est celui qui permet de lever le moteur pour avoir une meilleure accélération. Comme pour tous mes Solex, hein, vous retrouvez un coupe-circuit à l'arraché. Donc selon le règlement UFOLEP 50 à galets, c'est obligatoire, puisque dans le cadre de l'usage de la compétition, il faut un coupe-circuit à l'arraché. Mais là, dans le cas d'un usage routier, c'est une sécurité qui sert d'antivol. Vous retrouvez aussi un support pour fixer une plaque numérotée de compétiteur. Voilà, j'ai pas mis la plaque puisque là on est en usage routier. Vous retrouvez aussi les plaques numérotées à l'arrière, voilà, de chaque côté. Donc là elles sont déjà fixées, voilà. Sur le côté latéral droit, voilà, rien de plus basique, voilà, un 3800. Si ce n'est que au niveau des garde-boues, je peux panacher entre un garde-boue de vélo en plastique, voilà. Et là, je peux mettre un garde-boue en plastique de vélo, ce qui est le cas, là, il y a un garde-boue en plastique, ou un garde-boue en acier, type Solex 3800. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais je peux m'amuser à mettre différents garde-boues selon mes convenances. Là, on se retrouve côté latéral gauche. Donc, ce que j'ai fait, comme tous mes Solex de compétition, j'ai prévu la petite patte de fixation pour mettre une tringle de garde-boue horizontale, et non pas tête comme origine. Bon, là, je l'ai mis. Mais si je veux, je peux m'amuser à mettre une tringle de garde-boue horizontale pour mettre un pot compétition détachable par ressort. Voilà. Comme pour mes Solex de compétition, voilà, j'ai un pot compétition où je tire le ressort, je tire le pot est défait. Donc je peux très bien faire ce petit démontage. Là, en l'occurrence, c'est juste un pot de Solex 2200 modifié avec un très gros tube de fuite, un tube de fuite de 25 mm. Et comme je le disais, voilà, le fameux feu de vélo arrière, voilà, qui est sur pile. Normalement, il doit s'allumer. Alors, faut que je trouve l'interrupteur. Ah, si, il est là. Voilà, donc voilà. Donc, c'est un feu additionnel si des fois le feu cyclo ne se mettrait pas à fonctionner correctement. Et comme ce Solex est conforme au règlement national UFOLEP 50 à galets, la béquille étant interdite, là, elle est amovible. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai fait tomber la béquille, voilà. Donc, ce qui permet de rouler en compétition tout en étant conforme. Alors, ce Solex a une petite particularité, c'est au niveau de la monotringle de garde-boue. Pour la renforcer, j'ai mis, voilà, ces petites pattes en aluminium en complément, donc qui est fixée ici, et on le voit bien plus à l'arrière, voilà, de chaque côté, voilà. Donc c'est une partie spécifique qui permet de faire tenir l'intringle de garde-boue si des fois je ne mets pas le garde-boue en acier. Alors la bavette, c'est une bavette en caoutchouc dit Solex adaptable. Voilà. Vous voyez, il y a des trous voilà, additionnels qui normalement doivent être d'aplomb, mais ce qui n'est pas le cas, donc j'ai dû repercer pour pouvoir adapter cette bavette sur ce garde-boue. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà, donc les fameuses pédales là, en plastique, vous pouvez les trouver à 4 euros la paire au Leclerc, voilà, magasin Leclerc, voilà. Donc c'est vraiment des pédales pas chères dans le cadre de l'usage de la compétition. Mieux vaut ne pas mettre des pédales pas chères.
alors il y a une spécificité sur ce Solex. Pour ne pas me mélanger avec les pièces de compétition et les pièces de ce Solex, le pédalier, la roue arrière et la roue avant sont en RAL 9005 brillant, contrairement aux autres RAL 9005 mat. Voilà, donc tout ce qui est éléments de cadre hormis les roues. Voilà, donc l'élément de cadre c'est 9005 mat, voilà, comme là. Par contre, je disais, voilà, pédalier, roue arrière, roue avant, c'est du 9005 brillant. Voilà, maintenant que je vous ai fait le tour du Solex, voilà, je vous conseille fortement ce type de Solex. Si vous avez une flotte de 1, 2, 3, 4, voire plus de Solex, voilà, pour tester les moteurs, par exemple sur des Solex routiers, voilà, routiers purement origine stock, routier à usage routier, voilà, avant de le monter sur le cadre final pour éviter de salir le cadre final. Moi, c'est ce que je fais, voilà, dans le cadre de mon classique noir de 1971, j'avais monté le moteur sur ce Solex pour éviter de salir le cadre de destination, voilà, son cadre final, voilà, pour éviter de salir. Ça permet d'ajuster les montages, et une fois que vous êtes satisfait avec les réglages moteur, et ben vous le montez sur le cadre de destination. Voilà, donc je vous conseille fortement ce type de Solex. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.